On a chanté ses exploits aux quatre coins du Québec. Aujourd'hui, Alexis Lapointe, dit le trotteur, rentre chez lui pour de bon. Il vient de chez nous, il est chez nous, puis on est bien content de l'avoir puis de le garder pour toujours. Enterré à la Malbaie en 1924, Alexis le trotteur a vu son repos éternel tourmenté 40 ans plus tard. Un étudiant en éducation physique a déterré son squelette pour le ramener au Saguenay. La fascination pour Alexis le trotteur s'explique par le personnage qu'il s'était lui-même créé. Et il s'est dit, moi, en faisant un cheval, ben, j'ai un personnage et tout le monde m'aime. Alors, il allait dans les maisons, les gens l'accueillaient, il chantait, il dansait, des danses toute la nuit. Je jouais de l'harmonica, des immenses harmonicas doubles. Alors, il divertissait les gens le gardaient. La légende raconte qu'Alexis le trotteur courait tellement vite qu'il dépassait les trains qui roulaient sur cette voie ferrée. Mais les histoires sont tellement nombreuses qu'aujourd'hui, l'homme et la légende sont difficiles à départager. Il allait vite, mais c'est comme on disait, il dépassait le cheval, il dépassait le cheval. Vous savez que les chemins dans ce temps-là, le cheval, là, il ne pouvait pas faire trop de vitesse avec la petite voie qu'il y avait. Là. Ici, à Clermont, on ne cherche pas trop à départager le vrai du faux. Plusieurs racontent encore ses exploits. Le v'là parti le grand centaure sur les chemins de la côte nord. Gagner sa vie à faire des fours, faire la petite vie de troubadour. Courir contre les meilleurs chevaux, battre des records, c'est pas nouveau. Et même le maire laisse planer le doute. Si on en parle aujourd'hui, il a certainement fait des choses que le commun des mortels ne faisait pas. Une chose est certaine, Alexis le trotteur, celui de la légende, était vraiment un être extraordinaire. Pascal Poinlan, Radio-Canada, Clermont.